de tous les coins, les héros viennent, cherchant la gloire et le devant de la scène. Des chevaliers nobles et fiers, prêts à mordre la poussière, et plein de monstres affrontés dans tous les coins. Des légendes seront forgées, il y aura même des perroquets. Voici le grand tournoi. Eh bien, bonjour tout le monde, ici Chronos83 en compagnie de deux équipes pour le premier match du tournoi sur Rush. Nous avons en notre compagnie les Verts, composés de Timothy et Amos Rall. Ouais. Bonjour. Et chez les Oranges, GIGN et moi-même, bonjour. Salut. Donc, le match d'ouverture du tournoi, donc, qui oppose au total 8 équipes, se déroule ce soir. Ça va être un match assez compliqué à mon avis, on va essayer de faire notre possible... Chacun de notre côté, que le meilleur gagne les gars. Je vous propose de séparer les conves. Les channels. Et ouais, puis bonne chance, on se retrouve à la fin. Hein. Comment ça, bonne chance, on va vous exploser. J'en doute pas. On en reparle après votre défaite. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est en un match ou en trois victoires? Un match. En deux victoires. C'est en un match. Ok, ça marche. Allez, à tout de suite. À plus. C'est en trois matchs, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? On sait jamais, hein. C'est au cas où tu perds deux fois. Il est parti. Ah, oh, c'est dommage. Enfin, il est parti. Il a été genre. Du coup, on part. Donc, les amis, aujourd'hui, il n'y aura pas de commentateur parce que l'Otari n'a pas pu se libérer pour filmer et tout. Alors, ouais, du coup, non, je vais faire mieux. Au lieu de mettre mon casque, voilà, je vais mettre des écouteurs. Comme ça, je t'entendrai mieux parce que mon casque. D'accord. Je lance. Donc notre but, évidemment, ce n'est pas de perdre dès le début parce que nous sommes, c'est pas notre but en fait de mourir en premier. Ah merde, je pensais que c'était ça. Ah putain, ça va être dur. Putain, j'ai oublié de le faire signer dans le contrat qu'il fallait qu'on gagne. bon, on va faire notre possible. Le rush, hein. Attends. Ça c'est une éternité. J'ai pas mis les règles. L'incassable uniquement à la TNT. Voilà, je précise. Bon, vu que je suis quelqu'un de très intéressant, j'ai pris directement de l'endstone. Ah oui, y a fort intérêt à prendre beaucoup d'endstone dès le début. C'est bien connu dans le monde du milieu. Dans le monde du milieu. voilà. Dans le monde du milieu. Et puis, on se parle dans le Seigneur des Anneaux. Et donc, notre but, évidemment, est de gagner. Hein. Si nous gagnons... nous tombons contre l'équipe gagnante, donc je crois que c'est entre celle de Broizou et de Storvio et celle de Sodis, je crois. Donc regardez au pire le planning, vous les avez disponibles sur la vidéo. Je t'ai pris une pioche. Si merci, il faudra faire des... bah, comme d'habitude, il faudra faire des réserves. Hein. Je suis en train de faire le toit là actuellement. Ouais, je mets de la lumière parce que je suppose qu'il y a les mobs. Non, il n'y a pas les mobs. Il n'y a pas les mobs? Non. Oh, déception. Il y a la bouffe, mais il n'y a pas les mobs. Bah, je mets la lumière parce que ça reste swaggy. Eh oui, parce que bon, les oranges, ils pètent, ils tout. Enfin, ils pètent dans le sens que... Enfin, voilà, c'est classe, hein, pas... Bah oui. Non, mais quoi. Ah, t'as pris une pioche. Ah, merci. C'est très aimable de votre part, monsieur. Hein. Voilà. Alors, t'as dormi, hein? Non, pas encore. Ah oh, oui, c'est vrai qu'il faut faire ça, tiens. Ouais, parce... enfin, c'est un peu important. Putain, mec, je viens de passer 3 heures à jouer à CS et... Et bah, j'ai des réflexes de CS. Bravo, c'est impossible, quoi, de m'en défaire. Bravo, quoi. C'est monstrueux. Non, mais je vous félicite pas, monsieur. Y a aucun sérieux dans le travail, là. C'est quoi, ça? Où est-ce qu'on est? Bah, sur Minecraft, déjà. Hein, non, déjà sur Rush, pas sur Minecraft. Hein, Non, mais Rush, c'est sur quoi? C'est sur Minecraft. Bon, n'importe quoi, vous dites. Plutôt calme. Vous dites des bêtises. Je prends des épées. A7, on prend les épées A7, hein, direct. Ouais, et pour l'arc, on prend direct le dernier ou... Si on peut se prendre des arcs A7, on prend chacun. Sinon, on verra, hein, ce sera au fur et à mesure. Oh. Bah, du coup, je repose les 3 d'or pour l'instant. Ouais, pour le moment, ouais. Les amis, pour le moment, vous avez pas de vue extérieure avec des commentateurs parce que c'est moi qui filme et donc.
Bah c'est pas possible. Mais normalement les prochains matchs des autres équipes, il devrait y avoir un commentateur avec moi, à mes côtés normalement, donc on verra. Ça pourrait être Lotarei, comme GIGN, comme Clemtis, comme Eldar, comme des gens inconnus de la population. Comme quelqu'un qu'on connaît pas, qu'on aura invité juste pour ça. Au pif, comme ça, voilà. Sans, c'est parce que. On alors, va falloir que je me remette correctement parce que là, ça va pas du tout. Il faudra que je me remette à Minecraft. Tout simplement. Tiens, je t'ai pris des steaks. Voilà, donc nous, c'est un match d'échauffement. Si on le perd, on a vraiment les boules. Ouais, un peu. Donc, c'est pas notre but. Ouais, des steaks, ok, bah, fous-les dans les coffres. Hein, fais la bonne petite. Non, mais je te les apporte. Non, ouais, je suis là. Attends, je descends. Bonjour. Steak. Merci, c'est très aimable de votre part. Aussi. Non, tu descends. Je descends. Barrière. Tac. J'ai jamais été très très fan du vide sur ce jeu. Ah, comme c'est étonnant, moi non plus. Putain, mais c'est bizarre, comme les grands esprits sont... Putain, il y a... Et j'étais justement en train de penser à ça. C'est fou, hein. Oh, comme les grands esprits se rencontrent, alors. Ça fait pas du tout con. Alors, pas du tout. Alors, Oh, j'ai plein de levels. Et il faudrait un jour mettre sur un rush une table de craft. D'enchant. Ouais, table d'enchant. Donc, une table de craft, ça serait chaud quand même. Bah, disons que tu pourrais faire pas mal de trucs, mine de rien. Bah, ouais. Mais en fait, non, pas tant que ça, parce que t'as quoi? Des blocs de fer, des blocs d'or. Je vais casser ça parce qu'en cas de défense, ça pourrait être vachement utile. Genre des barricades de 2 de haut, comme ça, si au cas où on a plus de stuff et qu'on veut les faire tomber dans le vide, ça pourrait être vachement utile. Et ouais, les amis. Attends, il m'a semblé les voir rusher. Et ok, c'est pas qui m'a semblé, c'est qui rush. Mais t'inquiète, c'est pas très impressionnant. Je continue ce que tu faisais. Hein. Ouais, vas-y, moi je continue d'avancer. Ouais, bah, par contre, j'ai pas trop m'écarté de la base, comme ça on va continuer d'avoir une génération de lingots. Non, parce que je suis. Tiens, je vais te filer mon épée à 7. Ah bah, moi aussi j'en ai une donc. Bah, je vais la foutre dans le coffre. Garde-la quand même, vu que je suis au-dessus du vide. Ouais, y'a pas de soucis, monsieur. J'entends totalement ce que vous dites. Et du coup, bah, pendant qu'on est là, parlons des nouveautés de la 1.9. Je sais pas si t'as vu. Non, y'a des ailes. Ah, bah, moi ça me déplaît totalement. Je sais pas, parce que à la base, je pensais que tu pourrais voler avec, mais au final, c'est que planer. Et je trouve ça sympa. Ouais, non, mais. C'est pas si facile que ça à voir et elles sont pas craftables. Je sais pas, ça peut rendre des trucs sympas, mais ça peut rendre des trucs... Enfin, c'est quasiment illimité, quoi, le vol que tu pourrais faire, hein, en soi. Bah non. Bah, si tu fais un vol à 45 degrés, tu le reprends au dernier moment, tu peux aller... Oui, non, mais tu peux aller très loin, mais tes ailes... Oh putain, ils ont déjà les arcs. Donc ils ont pris les arcs à 3. Ah, ouais, bah c'est bon à savoir, hein, on va les... Pardon. On va les défoncer, tout simplement. Mais c'est comme le nouveau système de PVP, je suis pas spécialement fan, même s'il va falloir s'habituer. Moi j'aime bien, je t'avoue que j'aime bien cette idée là. Ça, comme ça, t'auras pas que des épées, t'auras pas que des gens qui bourrinent, ça va donner un côté plus stratégique et je trouve ça vraiment cool, pour le coup. Côté stratégique. Autant les ailes, je suis pas encore très fan. Disons que ça va. Le côté PVP, je suis très très fan. Disons que ça va être très lassant comme combat quand tu vas voir des mecs qui mettent 3 ans à se taper dessus, qu'alors avant, bah c'était à celui qui. Bah qui tapait le plus vite quoi. Ouais, c'est ça. Ah, t'es déjà sur la plateforme ou... De quoi? Ah, t'as rushé direct. Ils sont encore en train de monter. Ah oui, faut pas que je reste trop loin de la base. D'accord, bah je vais continuer la génération. Il y a des flèches qui tombent ici. Écoutez les gars, il fait nuit. Dans le ciel, il y a des flèches qui tombent. Donc maintenant, qu'est-ce que je pourrais vous dire? C'est pas normal, hein, mais... Et par contre, niveau du truc de régen, t'en penses quoi? Du régen... avec la saturation, tout ça? Ouais. Bah, je t'ai dit, ça rejoint quasiment mon avis sur tout, en fait. Je suis pas spécialement fan. Même si, bon, c'est pas ce qu'il y a de plus dégueulasse dans cette mise à jour. Ça dénature un peu, mais... Enfin, ça dénature. Du coup, ça donne moins d'intérêt aux aliments qui ont une faible saturation. Bah ouais, mais moi je trouve ça sympa. Enfin, du coup, les carottes d'or ont une utilité. Ah, mais ça c'est sûr. Mais c'est justement, c'est ceux qui ont une faible saturation qui n'auront plus aucune. Je sais pas.
Moi, je suis assez pour tous ces changements, justement. Merde, moi, je suis tombé. Comment t'as fait? Bah, il m'a tiré dessus alors que j'étais en train d'avancer. Enfin, je sais pas si t'as vu le pont, en fait, je suis hyper avancé. T'avais rien fait d'important? Bah, j'avais rien sur moi, à part des blocs et de la bouffe. Moi, je suis genre... Avec des... Oh, bah, c'est bon, alors, c'est avec ça. Ah, mais non, mais c'est pour ça, j'y vais pépère, hein. Je prends rien sur moi d'important. Je vais surveiller de temps en temps. J'ai des bons restes, hein, quand même, des rushs. Ah, on a un arc à 7. On le prend, on attend le prochain. Bah, je te laisse aller le prendre, moi j'y retourne sans stuff cette fois du coup. J'enlève la pluie, hein, comme dans tous les rushs. Globalement, j'enlèverai la pluie, les gars. Hein. C'est tout le monde sur le même pied d'égalité. Des échelles. Et pour les gens qui ont un faible PC, comme Clem6, là, enlever la pluie, ça pourrait leur être utile. Alors. D'ailleurs, en parlant de faible PC, tout à l'heure j'étais sur Minecraft, je comprenais pas, j'étais à 30 FPS. Je me suis dit, merde, qu'est-ce qui se passe? J'étais voir dans mes paramètres, j'étais à 32 chunks de render distance. Et t'avais activé le VBO? Ouais. Avec VBO à 32 chunks de render distance, je suis à. Bah non. Bon, on va leur essayer, c'est le premier match. Ils sont montés sur notre pont pour le coup. Ah bon? Bah je suis là. Ouais. Ah merde. Je l'ai fail. Ah merde. Bon, je vais reprendre quelques blocs et je vais y aller no stuff pour essayer de. Ah, c'est de la déche. Putain, l'arc. Ah, c'est bon. T'as avancé toi sur le pont? Non, là parce qu'on a un pont de 1 donc. Disons que c'est assez. C'est bon, j'ai tiré dessus. Je passe devant toi. Ouais, j'ai touché, y'a plus beaucoup de vie. Regarde, n'oublie pas de regarder sur table si tu vois. Aïe. Fais gaffe à toi. Ouais, je fais des petites. Hop. Voilà, c'est bon. Joli. Oh, pardon. Ça c'était moi. Je suis perdu. Peut-être que son arc a volé dans le vide. Ah, c'était chaud parce que là, lui. Là, je peux équiper leur stuff ou pas? Ça, je sais plus s'il y a le droit. Oui, tu peux. Ouais, ça y a le droit. On va dire, comme c'est le premier match, je leur ai mis la nuit, hein, mais c'est vraiment. Attention! Il y a deux de vie. Il y en a un autre, je lui ai foutu pas mal de flèches. Il est où? Il est en dessous? Au-dessus de moi? Non, au-dessus. C'est bon, je vais tirer dessus. Un coup de poing, tu le tues. Un coup de poing, tu le tues. Il tombe. Ah la pute! Il a un HP. Ok, il a un HP encore, mais il avait une épée. Oh merde. On a pas mal de fer, je vais prendre des épées à 3. J'ai déjà mis des épées à 1. Il y a un truc dans le coffre. Ouais, mais je prends des épées à 1 juste histoire d'avoir ouais. Quelque chose de minime pour les rushs. Je vais couvrir à l'arc, il faut pas qu'on se permette de perdre l'arc. Non, ça on peut pas se le permettre. Propose du challenge dès le début. Tiens, dans ta gueule. Mais ils sont low en fait, comme ils sont obligés de sauter, ils perdent beaucoup de vie. Ah mais ouais, lui il reste 2 coeurs, je lui fous une flèche, il est mort lui. Non mais c'est ça, quand ils tombent, ils sont à 2 coeurs. Ah mais j'ai enchaîné tout à l'heure en fait, c'est pour ça que je te disais un coup de poing et tu le tuais. Ouais je sais, mais un coup de poing ça fait qu'un dégât, il la régène 1 HP. Ah ouais, là en bas non, c'est encore un peu plus haut, voilà, hop. Encore une flèche, il est mort. Putain. Ok, bah j'arrive avec juste une épée, une pickaxe et des blocs. Ok. Une fois qu'on a pris leur spawn, là ça va. Ils ont allumé. Ok, ils doivent avoir un briquet. Regarde en bas s'ils rushent. Ça, c'est souvent ouais, le coup de pute que les gens font. J'ai regardé, ils rushent pas. Mais okay, souvent c'est. Oh pute. Ils ont encore des arcs à 3. Ouais, ils ont tout ça. Mais du coup, on a l'avantage. Lui, je peux le. Oh lui, oh. Allez. Ok, je suis passé. Oh ouais, GG, fais gaffe, reste bien dans sneak, je le regarde. Non mais il doit savoir que je suis là. Ouais, il s'est sneak, attends. Tiens, je lui ai mis une flèche, il lui manque plus grand chose pour mourir. Il a 2 coeurs, il va se barrer je pense. Il va avoir peur. Il tombe. Ah putain, il meurt pas. Mais il est low et j'ai fait un petit passage sur leur pont. Je vais essayer de l'avoir d'ici. Ok, j'ai bloqué leur accès au pont. Je tente de passer. J'arrive.
Bon, je fais un petit point un peu plus safe. C'est bon, je suis là. Si je peux le foutre. Tiens. Il est mort. Oh, il a pas dormi. Éliminé. Il a pas dormi ? Ouais. T'es pas mort ? Non, parce que j'ai... en fait sa flèche m'a reculé de derrière un petit peu. Hop. Allez, petite strat. Ouais. Je lui ai foutu une flèche. Il est bloqué. Oh, GG. Tiens. Hop. Merde. Oula. Nickel. Est-ce qu'il est éliminé ? Non, par contre lui il a dormi. Fais gaffe, il remonte. Ok, bah, je suis tombé mais avec son stuff. C'est pas grave. Ok, j'y vais. Donc ça veut dire qu'ils ont plus de stuff, je me ramène moi au full stuff. Ok, ils ont fait un trou ici. Non mais... Stop, pas lui, il a pas le droit. Oh. Ramène la TNT si tu peux. Ok, il est là. Non, la TNT ? Bah si tu peux. Je vais mourir. Ouais, bah je vais en acheter, j'arrive. C'est quoi déjà la TNT ? C'est 3 de fer. Ah bah attends, j'ai une TNT ici. Reviens vite. J'arrive. Est-ce que j'ai un briquet ? J'ai pas de briquet. Ah merde, il faut acheter le briquet. Bah j'achète le briquet et j'arrive. Toc, briquet et je reprends une TNT au cas où. J'ai trouvé où est-ce qu'il a... j'ai 3 TNT hein, ça franchement une TNT bien placée c'est bon. Ouais bah on en aura 4. Puis j'arrive, je suis full stuff. Alors j'ai pas l'arc mais je suis... Puis j'ai une bonne pickaxe aussi. J'ai failli mourir tout à l'heure. Tiens. Voilà. Crève. Bon bah écoute, petit match tranquille. Ah ouais, s'il avait dormi... Ouais, ça aurait peut-être été un peu moins tranquille, mais bon, je suis assez content, j'ai fait une belle descente et du coup... Ouais, non, mais franchement, on a bien géré la descente. Je t'ai couvert, t'as bien... Ouais, c'est... Bon, je l'empêche de faire quoi que ce soit. Je suis là. Je masse bloc, hein, si tiens, tu veux. Tiens, bah, si tu veux, on peut balancer. Tiens, t'as le briquet ? Ouais. Vas-y. Voilà. C'est tellement pute ce qu'on fait. Il est pas mort ? Non, il est pas mort. Vas-y. GG. Tiens. Oh merde. Oh merde. T'as toujours le briquet ? Oui. Tiens. Putain, il respawn là. Vas-y. Oh c'est merde. Bon. Ça a volé. Oh merde, il a une épée. Oui. Oh, il a... Oh, c'est honteux. Je suis en train de plein, du coup. Je reprends un briquet. Ah par contre là il faut pas qu'on fasse le con hein. Ah si on perd, vite. Faut vite qu'il retourne. Oh non, bon ça... Faut vite qu'il y en a un qui surveille, je prends des blocs. J'ai pris une épée à 1. Ouais moi aussi, et j'ai 3 TNT. Il a l'arc et tout du coup. Il a l'arc ? Non, Amos il est revenu. Voilà. Il meurt. Hop. Putain. J'ai pas de bouffe. Il arrive. Merde. Ok. Je fais un comeback. J'attends ici. Écoute, stuff-toi vite. Tout ce que j'ai à te dire. Tout ce que je vais faire, c'est. Je vais tenter de le faire tomber, c'est tout. Mais j'ai pas de pioche, j'ai rien de. Tu veux que je prenne une pioche ? Prends des pioches, prends tout ce qu'il faut, quoi, pour prendre du stuff. Ok.
2. Ouh, oh joli la flèche. Le timing. Je prends 2 chestplates à 1. Vas-y. Si on a rien d'autre, mais au moins ça nous fera de la protec. Tac tac tac. Je prends de la bouffe. Ça va. Briquet TNT ou pas? Attends. Attends, je me prête à le faire tomber. Bon, je vais pas prendre de briquet TNT. Ah, dommage. Il arrive, hein. Il arrive vite. Je te laisse du stuff dans l'escalier. Ça va, je prends. Sauf. Il est là! Ouais, c'est bon, je l'ai eu. Il est tombé. Nice. Regarde, je vois plus les villageois. Putain! Et il nous fait. Et il nous donne du fil à retordre, celui-là! Ouais, un peu plus que l'autre d'ailleurs. Ah non, mais bien joué de sa part. Je prends une petite épée. Par contre, il a plus d'arc, mais il a peut-être du stuff parce qu'on est resté campé pas mal. Oh, je pense pas qu'il ait grand stuff. Attends, je pense pas. Il est en train de se restuff. Si on le rush maintenant, prendre TNT et tout. Ouais, bah ouais, je prends ça. Ouais, si, il a quand même chestplate et tout. Non, mais ça doit être du truc à 1, tu sais, un truc du truc banal quoi. Une TNT, c'est bon. Putain, et on a fait les cons, comment on a pu louper? Je suis déçu. Bah ouais. J'arrive. Mais en fait, ouais, non, on a pas géré. Non. On peut faire des drops pour le détruire. Hein. Y a bah, moyen, on est au-dessus. Ouais, en fait, c'est ça, c'est la règle. Et du coup, vu qu'ils peuvent taper à fond, à main nue, bah, ça donne vachement de possibilités de se défendre. C'est vraiment au meilleur au meilleur de gagner. Il a un arc. Hein. Là, on doit pas être très effrayant pour nos prochains adversaires. Hein. Donc, parce que nos prochains adversaires, si on gagne, parce que si gagne, je lui donne. Je suis en train de l'occuper, mec, mène-toi le cul. J'arrive. Bon, en vrai, je le tape pas, mais il me tape pas. Mais j'ai pas de bouffe. J'ai pris un peu de bouffe. Mais il a un arc, par contre. Il a pas de flèche, mais il a un arc. Et on peut drop TNT. Hein. Je suis là. Vas-y, attention, je balance. Wop, bordel. Eh hey, merde. Ah putain. Son lit a découvert. Merde, il m'a eu. Bon. Il est mort. Il a encombré son lit. Ron, t'es sérieux? Ouais, il a encombré son propre lit. Ah putain, bah bien joué, parce que du coup, il a replacé des blocs à l'arrache. Eh bah écoute, c'est propre tout ça. Bah pas du tout. C'est pas du tout propre, bordel. Bah du coup, les prochains adversaires, je vais vous dire c'est qui, parce que... Enfin, ah bah non, bah je sais pas encore. Mais alors... Bah non, c'est... En fait, c'était fait exprès, c'est pour vous... Pour que vous nous sous-estimiez, enfin que vous nous surestimiez... Vous nous sous-estimiez, pardon. Voilà, c'est pareil. Et voilà, attendez, j'ajoute à la conf quand même, et voilà. Eh bien alors. Ouah, c'est un petit fail. Attends, en plus on n'a pas du tout joué propre. Hein. Non, c'était dégueulasse. Bah il me dit là, tu vois, que vous étiez un peu sale. Ah oui. Vous étiez un peu des grosses merdes. C'était pas qu'un peu, hein. Je répète ses propos, hein. Non, mais disons qu'en fait, c'est ce qui nous a tout niqué, c'est le fait de qu'ils défendent à la main. Du coup, on avait plus de vie quand on arrivait et la TNT. On a balancé 2 TNT, elles ont pas touché lit. Du coup, bah voilà, on a. Ah ouais. C'est chaud ça. Et du coup. On en prévoir plus, hein. Ouais, mais bon. Voilà. Après, sinon, il a pas mal joué, il a pas mal pris la situation en main, mais bon, 2-1, hein, à mon avis. Fallait un sacré coup de chance. Ouais, c'est ça. C'est dommage, hein, t'as pas dormi dans le lit. J'avais remis la nuit pourtant parce que je me suis pour le premier match. J'ai pas tilté, j'étais dedans quoi. Mais du coup, bien joué les verts. Ah bon, vous avez fait un bon premier match, j'ai envie de dire. Bon, vous aurez pu. J'ai envie de dire, si t'étais pas mort,
gagner. Si t'étais pas mort, vous pouviez gagner, hein, honnêtement. Vu comment on a joué brouillon. Ouais. Bon, bah du coup, nous allons. Donc vous allez rejouer un match plus tard contre les perdants de l'équipe. De l'équipe, je vous dis ça. Entre l'équipe jaune et les verts clairs. Donc c'est entre Storvio Broisou, je crois, et. Je vous dis ça. Ouais, c'est. Et Sodi, c'est son coéquipier, voilà. Ouais, donc. Bah, on va affronter Sodi. Donc, ah ouais, c'est ça, Horsecraft représente, hein, j'ai envie de dire, bon... Bah ouais. On verra. Si on tournait dès l'entrée, ça aurait été chaud quand même. Non, là, franchement... C'est plus avancé, hein, maintenant. Comment ? C'est le truc sur le serve. Mais du coup, bah, bien joué. J'ai envie de dire, bonne chance contre les futurs perdants. Et je vous souhaite de gagner, parce que vous avez fait un bon match et vous avez failli gagner, hein. Et puis... Ouais. Mais bon, une équipe c'est à deux, c'est pas tout seul. Hein, j'ai envie de dire, voilà, tu vois. Ah, c'est un philosophe. Oh, le fumier. Oh, j'avais ma main qui n'était pas sur ma souris. Et j'ai même pas pensé à péter le lit. Ah, c'est moche. Ah, le fumier. Enfin bref, merci les amis d'avoir... Écoute, Chronos, c'est toujours comme ça qu'on les a finis. Ouais. Il faut que ça finisse comme ça. Ouais, je m'attendais pas à ce que tu reviennes, en fait. Du coup, merci les amis, bye, et à la prochaine. Merci à Moss et Timothy, et puis bah bon courage contre les perdants, et nous, bon courage contre les futurs gagnants. Allez, bye. Et oui, et à plus.